Bonjour à tous, c'est Gros Singe Pâle. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, on va se faire un petit bivouac sur une île au milieu d'un lac. Donc, je suis accompagné d'un ami, Charles. Donc, c'est un amateur de survie aussi. Donc, bon, là, ça va pas être de la survie. Hein. C'est un bivouac plutôt tranquille. Hein. On a tout ce qu'il faut pour bien manger, bien boire et bien dormir. Donc, ça va vraiment pas être un truc... vous attendez pas à de la survie, on va pas être à poil sur l'île. Alors, on a avec nous les affaires de chacun, donc ça c'est les affaires à Charles. Deux petites chaises de camping, histoire de se poser bien sur l'île. Un drone, pour faire des beaux petits plans. Le kayak H800 de chez Decathlon, donc voilà, aussi où je vous ferai une vidéo dessus bientôt. Et on a pris bien sûr de quoi explorer un peu ce qu'il y a dans l'eau la nuit, parce que la nuit, il y a des choses à voir et ça va être intéressant. Et bien sûr... la popote pour se faire à manger parce que ce soir c'est spaghetti. L'objectif, ça va être d'aller sur l'île qui est tout là-bas. Bon là pour le moment on voit pas trop. Mais il y a bel et bien une île tout au bout. On est bien arrivé, qu'on a déchargé les affaires. Ah, voilà. Je vais vous faire un petit tour de l'île pour vous montrer un peu là où on s'installe et puis vous présenter le spot. Donc là on a notre petit kayak qu'on a installé voilà sur les petits rondins pour pas que les dérives elles touchent le sol. Donc tout ce qui est matériel de kayak on l'a entreposé ici. Voilà, pas ramener des trucs mouillés dans les toiles, ça sert à rien. Donc moi je me suis installé juste là. Puis Charles lui, il a acheté une toile deux places, pareil une four class, et vraiment pas mal. Ah, quand on vous dit le confort c'est important, confort c'est important. Voilà, Charles est en train d'installer son petit nid douillet. Information, cette île elle fait à peu près 50 à 70 mètres de large. Donc c'est quand même pas mal, ça nous laisse une bonne surface voilà, pour trouver des ressources. Enfin, de toute façon, quand on regarde même autour de nous, on voit du bois vraiment partout. Donc il y a du bois mort déjà qui est présent, déjà en masse. Plus bah, toute la petite broussaille que vous voyez là au loin, ce qu'il y a tout là-bas. Ça, c'est le genre de truc qui est vraiment pas mal à utiliser pour allumer un feu. Ça démarre, mais instantanément. Se faire des bons petits spaghettis. Ouais, le vent, ça change. Comme à la maison. Thank you.
Bon allez, c'est parti. Il est l'heure de se mouiller. Allez. Charles en pleine préparation. Il a mis sa, il a mis sa petite chaise avec sa petite serviette. Bah comme ça on sort en même. Non, bah non. C'est pas pour ouais, bon là le lac il est vraiment très calme, donc ça va être top. Il n'y a plus du tout de vagues comme tout à l'heure. Donc je pense que il y a moyen, il y a pas mal de choses. J'arrive pas à me filmer, je suis désolé, mais là, voilà. Ça va être un peu compliqué dans le noir comme ça de te filmer, mais bon. Voilà, on va juste là. C'est parti. Un peu pour vous montrer la dégaine qu'on va avoir. Vas-y Charles, fais-nous un petit coucou. Voilà. On a géré le sauvetage quand même, on n'est pas fou. Hein. Voilà, mais... Avec un petit spot. Oh, ça éclaire bien. Oh, si. Si, ça va être top. Petit atelier séchage après cette petite baignade nocturne. Allez. C'est l'heure de dodo. Eh oui, on a quand même l'électricité, on n'est pas des fous. Eh oui. C'est l'heure de se lever, le char il est levé depuis un moment. Oh, je crois qu'il a fait le feu. J'ai vu sur un gars qui fait du feu en cheveux sales. Ah, là je suis en train de faire un deuxième feu. Pour le café. Le char il est à fond, il est à fond sur la préparation du café là. C'est parti pour aller ranger les affaires. Donc on vous laisse 5-10 minutes, le temps de ranger tout notre bazar et puis de partir comme si personne n'était jamais venu. On est de retour dans le kayak et voilà, on s'éloigne petit à petit de l'île. Là on va pagayer un bon petit coup pour arriver au milieu du lac et puis on verra là-bas si on trouve un bon petit spot pour voir dans l'eau. Si on trouve pas, bah dans ces cas-là c'est tout, on se retrouve sur la plage.
cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Allez.